On est à l'hôtel de ville pour la remise des prix des balcons et des jardins fleuris de Montrouge. Pour moi, c'est important de participer à la végétalisation de la ville de Montrouge. On espère que l'année prochaine, on croit vraiment dans nos chances. Je pense que ça s'est joué à très peu cette année. Donc l'année prochaine, on sera de retour. Je m'appelle Kane, je suis un Montrougien depuis cet été. Bonjour, donc je suis Marie-Isabelle Trivès-Florio, j'habite à Montrouge depuis 2006. Je m'appelle Bénédicte Poucharal, je suis Eke Siba, j'ai 38 ans et ça fait 13 ans que j'habite Montrouge. Alors je suis Étienne Langereau, maire de Montrouge. Et bien ce soir nous avions la cérémonie de remise des prix du concours Montrouge Ville Verte et Fleurie. Un très beau concours qui récompense les Montrougiens qui contribuent à verdir la ville, soit en cultivant leur jardin, en fleurissant leurs fenêtres ou en contribuant à planter des fruits et des légumes dans les jardins partagés de la ville. J'ai remporté le premier prix de la ville de Montrouge pour les balcons fleuris, mais également le troisième prix du public. J'ai remporté le troisième prix pour le balcon et le troisième prix pour le jardin partagé. On a beaucoup de plantes dans le logement. Et je pense que c'est une manière de participer à la communauté montrougienne, aussi d'afficher une fierté pour Montrouge et d'avoir également une beauté dans notre logement et aussi pour la communauté parce que c'est affiché sur les balcons. Ça doit être joli et si ça peut être joli de la rue, de l'extérieur, pour les personnes qui se promènent à la place d'être dans son jardin, c'est un avantage et c'est pour ça que je le fais. Grâce à l'effort des Montrougiens, aujourd'hui la ville de Montrouge a trois fleurs. C'est important parce que ça reflète ce que j'essaye de faire. De joli pour la ville parce que les gens quand ils passent ils voient un joli balcon et ça me fait plaisir que ça ait été reconnu. On est tous les acteurs de cette ville plus verte qui encore une fois rime avec qualité de vie. Moi j'ai la chance d'avoir un petit jardin donc effectivement j'ai un peu la main verte. Nous voulons et grâce à vous nous progressons pour faire de Montrouge une ville plus verte et je sais que vous en êtes les premiers acteurs et je voulais vraiment remercier vous tous pour tout ce que vous faites à travers ce concours, mais aussi en vous investissant dans les projets de la ville. Voilà, donc, vive Montrouge en vert.